YouTube, comme tu peux le voir ou pas, là tu peux le voir, on se met à Mario 3D World. T'as vu des propose un cours de sport? J'ai pas vu. Quand ou comment? ça vous intéresse pas YouTube et ça sera sûrement déjà passé quand vous regarderez cette vidéo, mais quand même. Hein. Bref, Mario 3D World, je vais jouer à la version Switch avec... avec le DLC Bowser's Fury. Et donc ouais voilà, 3D World ça va pas être une nouveauté pour moi. J'ai déjà fait le jeu sur Wii U. Et je l'avais fini. Sauf le tout dernier niveau je crois. Je crois pas avoir fait le DLC. Mais le DLC tu le... T'as le jeu sur quoi comme console? Et donc voilà, je l'ai déjà fait, mais ouais, je crois que le dernier niveau qui est hyper dur, là, j'avais passé beaucoup de temps dessus, mais finalement, j'avais pas réussi à le faire. Donc on verra si au cours de cette session, on y arrivera. Mais voilà. Bonne question, les deux, je crois, ou pas. Je te demande, mais ouais, non, mais. T'as quelle version de 3D World? La version Wii U ou la version Switch? Ah, les deux, tu crois? Mais sur Wii U, il n'y avait pas le DLC. Donc t'as pas pu le faire si t'as que sur Wii U. T'avais pas le DLC. Le DLC est dispo que sur la version Switch. Justement, c'est un petit ajout qu'ils ont rajouté, qu'ils ont fait sur... Ah d'accord, les deux, ok. C'est moi qui avais mal pigé. Donc Bowser's Fury, il est dispo que sur Switch. Bref. Jeu que je connais. Ah, c'est vrai, le A et B est inversé sur la manette de Switch. Voilà, qu'un Mario en... Ah, pas vrai, on va pas dire non plus... Pas vraiment 3D, parce que souvent, en fait, la vue est bloquée, et derrière... Enfin, de toute façon, on va voir. Petite cinématique de début. Que va-t-il se passer? Nous ne savons guère. Est-ce que quelqu'un va se faire enlever? Un feu d'artifice pour... Pourquoi, d'ailleurs? Oh, un tuyau! Ça, ils connaissent, hein. On tout réparer. En même temps, les portages sont légion. Faut bien un petit plus pour nous faire acheter le même jeu. Mais c'est surtout qu'ils ont sorti quasiment tous les jeux Wii U parce qu'ils avaient pas été vendus, quoi. Vu que la Wii U, c'est très peu vendu, derrière tous les jeux Wii U, en fait, ont pas été joués. Donc du coup, il est ressort sur la Switch, quoi, parce que la Switch marche tellement bien. J'ai vu la c'est un classement des jeux vendus par semaine, je crois. Et les 5 jeux les plus vendus la semaine dernière ou il y a 2 semaines, c'est du Nintendo, quoi. C'est, ils écrasent la concurrence, mais un truc de taré, quoi. Donc oui, ils revendent les jeux Wii U, quoi. Ok. Donc, ce jeu, c'est les fées qui se sont fait capturer par Bowser. Sur la carte. Alors il y a des trucs cachés sur la carte. Donc vous voyez, c'est un open world. Hein. C'est un peu un open world, on peut aller directement partout. Ah non, tout est fermé. Bon. Finalement, c'est peut-être pas un open world. Allez, let's go. Mais on a le long jump. Dans ce jeu, on a le long jump. Et évidemment qu'on va s'en servir. Parce que le long jump, c'est la vie. Voilà. Ah voilà. Ah, et le long jump qui marche bien en plus. Ah, il y a un truc chiant par contre, alors vous allez voir. Pour les gens qui ne connaissent pas le jeu. Il va falloir qu'on termine tous les niveaux. Alors voilà, et la grande nouveauté évidemment de ce jeu, c'est le costume de chat.
Et ouais, la grande nouveauté du jeu, enfin la grande nouveauté, non justement c'est pas la nouveauté du jeu, il faut qu'on termine les niveaux avec mais je me rappelais plus de ça moi, la roulette là. Bon. Il faut qu'on termine les niveaux en allant au plus haut du drapal. Ça go. Et faut faire ça avec tous les persos. Donc il y a 4 persos à jouer. Et il va falloir faire ça avec tous les persos. Donc c'est un peu chiant. Donc voilà, Mario Chat permet de s'accrocher au mur et de grimper. Et il y a évidemment plein de trucs à récupérer dans les niveaux. Il y a les tampons. Bon, par contre, si je pouvais jouer au mieux, ça serait sympa. Et il y a les étoiles vertes. Ouais, t'as pas fait Bowser? Oui, bah ici. Hein. Tu l'as que sur que sur Wii U, c'est normal. Hop là, parce que pourquoi prendre des tuyaux quand on peut faire des longs jumps. Et donc je sais plus combien il y a de d'étoiles par niveau. J'ai des souvenirs de là où ça se trouve. Ah vous voyez par exemple le petit lapin. Il va falloir le rattraper lui. Voilà, oh bah. C'était un peu au pif, hein, mais j'ai réussi. C'est tout ce qui importe. Je sais pas si Melzekiel est revenu. En fait, elle voulait peut-être qu'on la hâte, je pense. Je ne sais pas. Ah oui, c'est revenu. Bon, bah voilà, du coup, j'ai pas besoin de décrire. Hop! Dac. Je suis là, mais silencieuse. Non, y a pas de soucis, mais c'était juste. Je savais pas en fait, vu que j'avais pas mis de hâte. Ton pseudo. Oh, regardez, l'arrivée est là-bas. Merveilleux. Je savais pas si t'en voulais ou pas. Oh, regardez, c'est... Voilà. Ils ont tout piqué à The Messenger. Dans The Messenger, quand on va sous l'eau, la musique change. Et bah voilà. Ils ont tout piqué à The Messenger, hein, c'est fou. Quoi? C'est juste pour me donner ça? Et là vous avez le gros champi. Et le gros champi. Faut aller tout au bout. Voilà. Ah ouais, le long jump. Trop bien le long jump. Alors ce trailer, ouais, alors ça a l'air chouette. Alors par contre, ouais, le fait que ça soit du Doom-like, et enfin du Doom 2016-like est totalement assumé, j'ai l'impression. Hein. Mais ouais, non, ça a l'air chouette. Mais j'ai pas vu dans le trailer, c'était quoi le côté rhythm en fait. C'était où en fait. Alors j'ai vu que dans le jeu, ouais, enfin dans le trailer, il tabassait en rythme. Donc il y a la musique derrière et les. Il balançait les coups en rythme. Mais du coup, je ne sais pas si c'est un truc qui fait que t'es obligé de faire ou pas, quoi. Bon, bah, j'ai eu... Ah, zut. Ah non, c'est bon. Alors, on n'a pas les pièces... On n'a pas les étoiles des 100 pièces. Ici, c'est bien. Tu vas à la douche? D'accord. Et bah, des bisous. Bonne douche.
Hop là. Miaou. Alors, le petit tampon. Oh, les tampons. Les tampons sur la Wii U, ça permettait de pouvoir les mettre en fait dans le chat. De l'espace Wii, je me rappelle plus comment ça s'appelle d'ailleurs. Mais il y avait un truc de chat, et du coup on pouvait utiliser les tampons qu'on gagnait dans les jeux, dans les messages quoi. Un petit thé comme Tony Hobb tout de suite. Thé comme Tony Hobb. Je veux voir de la barbe. Ah bah oui, effectivement, là y'a plus. Hein. Ah y'a plus. Et voilà, et donc on voit que j'ai eu le tampon et les 3 étoiles vertes du niveau. Je vais m'occuper de la mienne, tiens. Ah merde, ça me fait mourir. Oh les gars. Ça fait un bruit d'assiette. Je sais pas si vous avez entendu, mais le... la carapace qui tombe, ça fait un bruit d'assiette. C'est rigolo. Ça me fait rire. Ah, je suis un chat, moi je m'en fous. Hop là. Un poil tuyau, moi. Merde. Oui, hop, voilà. Là, faut taper celui-là, merci. On peut les attraper les carapaces? Ah si, sûrement, mais... J'ai pas le bouton. Merde. Est-ce qu'on a le... Oui, on a le saut comme ça, ok. Ah, des pièces fantômes. J'ai perdu la carapace. Ah, moi je voulais la carapace. Vous avez vu le Luigi ou pas? Vous avez vu le Luigi qui est tombé? C'était pareil, c'était un truc qu'il fallait récupérer. Bah, vu que la Wii U il y avait la mablette, en fait il fallait toucher le Luigi sur la mablette au moment où on le voyait. Et ça donnait quelque chose, mais je sais plus quoi. On a vu ça les petits malins. Ils nous cachent des trucs. Alors, ça me mène ici, mais pourquoi? Ah oui, d'accord. Ça y est, j'ai compris.
Merde. Dommage. Ça m'a filé... Ça m'a filé plein de pièces. Oh là, mais tellement bien quoi. Le long jump, il est mais tellement bien. Ah, je peux me mettre... Oh là là. Meilleure feature, hein. il y a forcément... Il y a quelque chose là. Voilà, il y a forcément quelque chose ici. On commence à les connaître les Mario, hein. Bon, là c'est fini. Hop. Tant pis. Prépare-toi. Hop. Ça, c'est des défis, ça, voilà. Ça, hein. Voilà. Hop là. Et donc, on voit les étoiles vertes à gauche qui s'affichent. Et donc, on sait si on en a oublié une, parce que si par exemple, là, j'avais chopé la troisième, bon, bah, ça veut dire que j'aurais loupé la deuxième. Ah oui, quand on balance des... Vous avez vu ? Quand on balance des flammes dans les tuyaux, les flammes suivent les tuyaux. Bonjour, je cherche un streamer avec qui jouer en ligne sur 3D World. Ah ! Bah écoute, non, moi je préfère... C'est gentil, hein ? C'est gentil de me proposer, mais je préfère là y jouer en solo. Mais du coup, c'est gentil d'avoir d'être venu et de proposer. Merci à toi. Alors que je me grouille aussi à un moment, non? Ah, le petit tampon. Ok. Ouais, on peut y aller. Regarde, ouais, non, mais c'est cool d'avoir demandé. Hop là, re-Blacky. Bah, réunion faite du coup. Bah voilà, bah, une bonne chose de débarrasser. Et donc ouais, voilà, je sais pas si on voit qui les a fait. Comment on peut voir, hein? Parce que là on voit que Mario a fait a fini le niveau. Mais je sais plus comment on voit les autres. On est en train de s'embarquer dans une galère. Ah ouais? Genre. Ah oui, d'accord. Ok, ah donc vous voyez, on peut stocker un objet, c'est pas mal. J'ai organisé un concours de cosplay. Ouais. Et donc voilà, sur le trajet dans l'open world, il y a des petits niveaux comme ça. Ah non, je vais y arriver. Oui, je vais y arriver. Voilà. T'as vu ça, j'ai réussi. Excellent. Ouais.
J'ai regardé ton clip de tout à l'heure de quand j'ai fait un OOB. Cette tête que je fais vraiment, c'est au moment. Hein? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? J'ai sauté un peu trop haut. Eh mais ouais, mais c'est aussi ce jeu, c'est aussi le départ de Captain Toad. Vous voyez? On va avoir des niveaux de Captain Toad. Complètement. On voit bien que tu comprends pas ce qui se passe au début. Tu t'attends à retomber vite, mais non. Ah, sur le... Oui, d'accord, sur le OB. Sur le OB, ouais. Ça y est, ça y est. Il faut que je monte tout en haut. Par contre, ils ont repris la... Sa tête sur le clip. Ils ont repris la caméra Nintendo 64, vous avez vu? La caméra pourrie où on peut pas aller n'importe où. Vous avez vu le Luigi ou pas? Ah, donc ça permet les pots, ils permettent de voir les blocs invisibles. Ah mais ma tête, en fait ma tête tout le temps et ma tête sur ce clip encore plus. Mais ouais non mais ça me fait trop marrer quoi. Oh. On est quand même plus au calme sur Mario 3D World. Merde, c'était par là. Oh. Saute! Non mais Mario saute! J'ai réussi. Alors... Un petit wall jump pour le tampon. Ah zut. Un peu décalé. Oh le wall jump qui... Mais le wall jump il sort tout seul. Hein. Oui du coup j'ai fini le DLC ouais. Et la difficulté est horrible. Hein. Vraiment. C'est Ils ont pété un plomb. Hein. Ils ont vraiment pété un plomb énorme sur la difficulté du DLC. Hein. Ah, y a des trucs dont je me rappelle quand même dans le jeu. Non, qu'est-ce que je fous? Qu'est-ce que je fous? Ah ouais, c'est les niveaux où faut aller à fond. Non merde. Yes. Donc ouais j'ai fini le DLC mais ça a été dur. Hein. Une vie, c'est toujours ça de prix. On est déjà à 14. Piu piu.
Hop là. La fast strat. Il n'y aura pas des vies quelque part là. Moi je vois pas Rabia sauter aux arbres comme ça. Hein. Ah et là c'est pour nous apprendre que on peut sauter sur le truc et quand on est en chat on peut monter tout en haut. Non. Ah le nul. Ah le nul. Le nul. Bon bah je vais le refaire. C'est moi tout mal. Alors regardez, quand on est en chat, on peut monter tout en haut. Et bah j'étais un gros nul. Voilà, voilà, ça m'apprendra. Qui fait le malin, tombe dans le ravin. Savez-vous qu'une connexion avec des amis vous permet de jouer à une partie accueillant jusqu'à 4 joueurs? Il suffit de connecter votre console Nintendo Switch à une ou plusieurs autres consoles à proximité ou de connecter en ligne à celle de vos amis. Pour commencer à jouer en ligne et en multijoueur local, appuyez sur R ou SR. Ok. Bon bah voilà, y'a plus qu'à. Saute comme Arabia en fait. Oh là, ah super, oh là. Voilà, par contre ce qui est bien dans ce jeu là, c'est que après, quand vous voulez refaire les trucs, bah quand vous avez le costume de chat, là ça marche pas. Voilà, vous pouvez y aller en speedrun. Et c'est pareil quand vous devez faire les niveaux avec les autres persos, parce qu'il faut faire tous les niveaux avec tous les persos, et bah il y a moyen d'aller vite quoi. Vous voyez c'est simple en fait. Finalement c'est simple. Voilà, il suffit de demander. Miaou. Oui, je vais le faire à chaque fois. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ah oui, c'est celui-là. Ah oui, quand on appuie, faut appuyer une seule fois sur les interrupteurs. Zut. Comment je peux m'en sortir? Comme ça. Non. Ça ne m'intéresse pas. Hop, on va récupérer notre costume. Et là, regardez, faut être malin. Hop là. Je m'en rappelle. Hein. Je m'en rappelle finalement. Ah oui. Dommage. Dommage. Alors on peut passer par au-dessus. Voilà. Ah bah je m'amuse plus sur ce jeu que sur Doom. Pour l'instant. Pour l'instant, hein, bien évidemment. N'allez pas me faire dire ce que j'ai pas dit. Ah ouais d'accord. On sort direct.
Le jeu te laisse pas le choix, c'est une fois que t'as gagné quoi. Voilà, bah un de moins. Hein. Je crois qu'il revient quand même. Ah! Ah! Je me rappelais pas de ça par contre. Est-ce qu'il faut que je refasse? Ou est-ce que c'est validé? Est-ce que c'est Camille validé ou pas? On va aller voir. Pourquoi tu te prends la tête, Blacky? Ah non, c'est... Allez Walidé, en fait. Non mais cette blague... Très bien cette blague. Ah, très bien cette blague. Ah mais j'ai eu les 3 étoiles. Et le tampon il est tout en haut. Voilà. Hop là. C'est une blague de voix. C'est une blague de voix. T'es has-been là. Ah, mais j'ai jamais prétendu ne pas être has-been. Hein. Commencer le streaming en 2020, est-ce que c'est pas déjà un peu être has-been? Ah. Pouette. Mais oui, on a compris. On peut gagner des trucs. Je me rappelle plus ce que ça fait, ça. Salut Avorpal. Tu utilises Joy2Key, toi, pas du tout. Ta. Non, bah, ça marche pas. Et toi, petit Avorpal, comment vas-tu? Dis-moi tout. Tu as de la chance, tu n'as pas vu mon énervement sur Doom. J'ai passé une bonne après-midi de merde. J'ai voulu faire des joints de ma salle de bain. C'était Laura, mais... c'est toujours le pire. Hein. Les joints de la salle de bain, c'est... Enfin, les joints en général. Les joints silicone, le pire. Le pire. Il y a beaucoup de trucs que je sais faire en termes de bricolage. Les joints de salle de bain, dès que j'ai l'occasion, je les fais pas. Tu peux lui parler? Tu veux pas qu'on te parle, toi? Chevauchez Plessis et foncez vers l'arrivée. Ajustez votre vitesse en inclinant vers le haut ou vers le bas. Pour sauter, appuyez sur B ou sur... Hein, c'est complètement con. Si vous jouez à plusieurs, vous pourrez tourner plus rapidement ou sauter plus haut. Ah bah d'accord. Ok, first one, merde. Ah, coupé.
Looped. Ah merde, je vais les sauter. J'ai regardé un tuto YouTube, ça avait l'air facile et non. J'aurais mieux fait de m'abstenir. Ouais, non, souvent c'est pire que mieux quoi. Tout va tout seul avec le doigt. Un truc pas con aussi, c'est mettre du scotch de masquage. Comme pour faire de la. Pour faire de la peinture. Et faut en mettre, et puis après derrière, vous faites votre joint et vous enlevez le scotch de masquage. Et ça marche plutôt pas mal. Merde. Ouais, je sais pas ce que ça me donne, mais... Là-haut c'est quoi? Là-haut c'est quoi? Ah, c'est pour une vie, d'accord, c'est nul. Alors. J'ai loupé la... Non, j'ai loupé la... l'étoile. Moi j'adore ça les jouets en silicone. J'en avais plein les mains en plus, bref. C'est la première fois que j'en faisais. Ouais, non mais ouais. Forcément, la première fois, ça ne peut que mal se passer. Évidemment. J'ai mis du scotch, doigt mouillé, le tuto était bien fait. Ouais, mais entre la théorie et la pratique, hein, bien évidemment. C'est pas la même. De toute façon, fallait que je leur fasse le niveau. De toute façon, fallait que je leur fasse. C'est pas grave. Y'a pas un truc où on peut planer un peu? Non, je sais plus. Oh, je sais plus. Tout, 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 tout. Tout, tout, tout. Tout, 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 tout. J'ai pas eu le tampon non plus là. Where is the tampon? Let's go. Genre les coins. Ça voulait pas adhérer. Et puis en plus ouais le problème du silicone c'est plus tu touches et plus ça devient la merde en fait. Donc faut vraiment que du premier coup t'es réussi à faire le truc, sinon après c'est, ça bave, c'est dégueulasse, enfin c'est J'y arrive pas. J'y arrive pas. J'y arrive pas. Alors, on va où? Non! Bon, va falloir le refaire. Va falloir encore le refaire. Ah, cette fois j'ai eu l'étoile. Maintenant j'ai mal à la tête à cause de l'odeur dégueu. Ouais, ça a une odeur super vinaigrée. Et pourquoi ça fait ça? Faut que je reteste. On va refaire le niveau, c'est pas grave.
Ah par contre ça va être ça, un 3D World, je vous avertis tout de suite, moi j'ai la collectionnite, va falloir qu'on chope tout. Et du coup t'as tout rasé parce qu'il fait chaud. Non j'ai tout rasé parce que je passe à la bétadine mardi soir et mercredi. Je me fais opérer mercredi. Donc ça va être plus pratique. C'est pas obligatoire hein, mais étant donné que je peux me permettre, ça va être plus pratique pour moi de passer à la bétadine et tout enlever après si j'ai pas de cheveux et pas de barbe quoi. Et ça va être un chouïa plus hygiénique aussi, faut avouer. Hein. Bon la barbe c'est bien mignon mais c'est quand même assez régulièrement dégueulasse. Mais non, mais qu'est-ce qu'il fait? Bon bah on va le refaire. On peut pas recommencer, regardez. Et comme ça on perd pas de vie. C'est bien ça. Ça c'est bien. Ça c'est des trucs qu'il y avait pas dans les Mario d'avant. Moi je me lave la barbe et le visage. Alors, évidemment que moi aussi. Évidemment que moi aussi. Mais et ça reste quand même plus compliqué. Ah, il y a un truc en bas là-bas. Que c'était à rien quoi. Ouais. Allez, cette fois-ci, on va y arriver. Hein. On y croit. On y croit, on y va. Hein. Ouais. Ouais. C'est bon. Alors, comment on y arrive? Alors là? Alors là? Mais en fait, j'y arriverai avec un long jump, mais je peux pas faire de long jump quand on est en mode rapide, là. Oh zut, j'ai recliqué pour retourner dans le... pour retourner dans le stage. Zut. On va essayer les... Pendant qu'on y est... On va même essayer les pièces rouges. Et y arriver cette fois-ci. Vous allez voir. Regardez ça, hop, les pistes rouges. non mais 7 ans. J'ai jamais fait 7 ans. Dommage. Dommage. Alors, est-ce qu'on va y arriver cette fois-ci? La réponse est non. Regardez, déjà, on va faire... Hop, voilà. On a la vitesse max. Ok.
Regardez comme il est content. Regardez comme il est content, Mario. Pouette. Allez, on va se faire un petit niveau Captain Toad. Alors Captain Toad, hein, pour les gens qui ne connaissent pas, voilà. Faut que je retrouve les 5 étoiles vertes. Faut vraiment que je trouve tout, sinon on n'obtient rien. Et je peux changer d'angle de vue. Et voilà, j'allais le dire, Captain Toad ne peut pas sauter. Voilà, le design de Captain Toad est fait ainsi. Donc il faut pouvoir éviter les ennemis. On ne peut pas passer par-dessus les cratères, les trucs comme ça. Hop, zut. C'est passé, mais tout juste. Hein. Hop. Ça va, celui-là c'est le premier, il est pas trop compliqué. Et voilà. Regardez comment il est content. Oh. Oh. Ah, ce son quoi. Ouais, ok. Ah oui, d'accord. Oui, je peux évidemment changer l'angle de vue sur les stages, quoi. Évidemment. Il m'en faut 10. Je sais même pas comment j'en ai récupéré. Alors, 3 étoiles vertes aussi dans les châteaux de Bowser et un tampon aussi, quoi. J'ai trop de souvenirs des châteaux. Ok. Bon bah... Première étoile, pas trop dur à obtenir. Hein. Alors les trucs de temps comme ça, ça sert uniquement à avoir un meilleur score à la fin des niveaux. Donc c'est uniquement pour le... Ou alors des niveaux où il y a besoin de... Voilà, où il y a besoin de... Il y a un délai, enfin voilà, il y a un timing. Ça peut servir aussi. Mais globalement c'est uniquement pour améliorer le score. Et bon, qui joue à Mario pour le score? C'est quoi ici? Ah, mais du coup, il va plus en avoir beaucoup de pièces. Voilà. C'était couru d'avance. Bon bah j'ai tout eu.
Ah zut. Allez. Direction Bowser. Alors les combats contre c'est pas c'est comme dans tous les Mario hein, les combats contre Bowser c'est pas le truc le plus intéressant du monde quoi. Et ça ne déroge pas à la règle. Si les combats contre Bowser dans Galaxy sont vraiment bien. Par contre. C'est vrai que dans Galaxy, ils sont vraiment chouettes. Bah dans les autres Mario c'était pas ouf. Mais c'était plus simple que que Doom. Par contre, pas ouf, mais plus simple que Doom. Il faut lui accorder ça. Mais oui, je viens te sauver. Regarde. Oula. Saute pas. Pouette. Tiens d'ailleurs, Avorpal, t'es toujours là ou pas? Fais un petit bip, c'était toujours dans le chat, s'il te plaît. J'ai une question à te poser. On continue quand, Céleste? Moi, ça m'arrangerait lundi soir. Est-ce que c'est possible pour toi? Parce que mardi, du coup, je vais tout orange. Il est possible que je ne stream pas. Sauf si vraiment vous avez envie de vous marrer. Peut-être que je streamerai avec la bétadine. Mais je préfère voir la gueule que j'ai avant. Donc lundi, ça serait mieux. Est-ce que ça t'ira ou pas? Sinon, on remet ça plus tard dans la semaine, quoi. Ouais, ça me va lundi. Ok, et bah... Lundi, la suite de la race Céleste. C'est cool. Tu peux stream sur la cam exceptionnellement aussi. C'est vrai. Mais après, ça va dépendre aussi de l'heure à laquelle... Mardi, je vais voir parce que... Ça va dépendre de l'heure à laquelle j'ai la chirurgie aussi. Parce que je vais peut-être essayer de me coucher tôt, quoi. Ça va grimper en difficulté. Ah bah oui. On va commencer à avoir les corner boosts à faire, là, et tout. Ça va être... Là, moi, je vais commencer à galérer. Je sais que j'avais vachement de mal à faire ça. Ça monte pas. Premières étoiles hein. Pas trop difficile pour le moment. Il y a un truc au-dessus. Non? Ah mais est-ce que tu faisais une vanne à Vorpal ou pas? Que tu faisais un jeu de mots ou pas? Ah d'accord. Hop. Non. Pas fait exprès. D'accord, mais c'en était un quand même. C'était un beau jeu de mots quand même.
Ah oui. Pas mal. Pas mal. Bah mais j'ai déjà 20 vies quoi. Je viens de commencer le jeu, j'ai déjà 20 vies. Ah. C'est étonnant ça non quand même, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Ah les salauds. Ah les salauds. Ah les salauds. C'est vraiment des sales gens. Hein. Nintendo, vous êtes pas des, des personnes sympas. Hein. Vraiment. Personne vous aime. Personne vous aime, on vous finirait seul. Voilà. Voilà, c'est dit. C'est dit. Dommage. Ah, il y a un petit chat qui vient de débarquer, dis donc. Je suis sur Isaac, je tente Maron, Judas Katé. Eh bien, bon courage à toi. J'ai parlé trop vite, moi. J'ai parlé trop... Non, mais j'aurais... Faudrait que j'apprenne à fermer ma gueule. Hein. Vraiment. Hein. Mais je... Pourquoi j'arrive à rien? Merci. Voilà. Ta-da-da-da-da. Ah, petite Rabia. Comment vas-tu mon chaton? Alors on va le buter. Non d'abord, non. Voilà. Vous m'avez pas eu. Encore tout ça. Ah ouais d'accord. A priori rien. Évidemment, il y avoir des trucs là. Voilà. C'était quasi évident. C'est trop mignon, chat. Non, mais tout le jeu est super mignon. Et dans Bowser's Fury. Ah oui, c'est vrai, je fais ça. Voilà. Et dans Bowser's Fury, il y a tous les animaux en fait qui sont en forme de chat. Donc par exemple même les pigeons.
des pigeons et une tronche de chat en fait. C'est assez rigolo. Et en parlant de tronche de chat, il y a Rabia qui a une tronche de chat. Je sais pas si vous le saviez, mais Rabia ressemble fortement à un chat. Ok, donc faut aller là-bas. Voilà, je t'ai sauvé toi. File-moi un truc. Merci. Ah mais je sauve pas les gens pour rien moi. Ah vous voyez, il y a moyen quand même d'arnaquer le jeu et puis d'aller plus haut en faisant un saut comme ça quoi. Pas de passage secret derrière la chute de sable, non. Non, parce que là j'ai tout eu. Hop. Ah miaou. Et un petit tampon. Oh, ça va, on avance quand même pas trop mal. Papapalam. Ah, les amiibos. Avec un amiibo corps de sage pour déclencher quelque chose de surprenant. Consultez les guides dans le menu pour savoir plus. Vous ne pouvez pas utiliser d'amiibo quand vous jouez en connexion avec une ou plusieurs autres consoles Switch. Amiibo. Ah, je pourrais gagner des trucs. Trop bien. Saisir l'objet, jeter l'objet. Tournoyer. Le saut tournoyant. En tournoyant, appuyez sur B. Je fasse un cercle. Saut accroupi, ça je sais. Charge au sol. Le saut charge... Ah! Oh, mais il y a tellement de trucs, quoi. Tellement de trucs. Donc là, on va tenter le saut charge au sol. Le saut charge au sol, sauter. Et le suivant, voilà, est plus haut. Le saut tournoyant. Ah, d'accord. Ok. Ah, un Luigi. Il était là. Pourquoi j'essaie de sauter comme ça alors que... Salut Vivi! Comment vas-tu? Regardez. Grâce à l'ombre, j'ai vu qu'il y avait une étoile. Malin. Qu'est-ce que je fais? Ça pas malin par contre. Ça pas malin du tout. Bah écoute, ça va, je me suis énervé sur Doom et et maintenant je m'énerve pas sur Mario. Donc c'est cool. Non, là y'a rien. Non plus, c'est pas réaliste. L'ombre de l'étoile aurait dû être plus gros. Mais évidemment.
t'es en train de nous dire que Mario est pas réaliste. Merde, j'ai fait le coup. Bah, je vous le disais au début, hein, Mario. Mario 3D, c'est principalement Mario 2D, mais avec de la profondeur, quoi. Par contre, ouais. Ah oui, on arrive là, dans, on arrive du coup dans le. Ah oui, c'est vrai. Ça y est. I remember. Do you remember? Ok. Alors qu'est-ce que ça va être? J'ai réussi à trouver, trop bien. Trop de chance. Trop de chance. Vraiment. Ah bah dis donc. Gros challenge. Regardez. Il a juste peur. Oh, regardez. Il avait peur de Bowser alors que c'était juste un truc comme ça. Alors 3D World est pas excessivement dur. Alors sauf les derniers niveaux qui commencent à être un peu hardos. Mais sinon le jeu est pas excessivement dur. Par contre il est il demande de la patience en fait. La difficulté sur 3D World c'est vraiment sur une question de patience quoi. Sur est-ce que t'auras est-ce que t'auras la patience pour faire tous les niveaux, parce qu'il y en a déjà un bon paquet. Et alors est-ce que tu peux faire enfin les derniers niveaux aussi qui sont plus compliqués. Et est-ce que t'as la patience de te retaper tous les niveaux avec tous les personnages et arriver à chaque fois en haut du drapeau. Enfin en haut du mât, à choper le drapeau en haut du mât. Parce qu'en fait, si tu veux le 100%, c'est vraiment ça. Hein. Si tu veux le 100%, il faut que t'ailles faire tous les niveaux avec tous les personnages. Il y en a 4. C'est long. Même si une fois que t'as récupéré les étoiles, globalement tu peux tracer dans les niveaux et aller vachement vite. Mais ça... Oh mon dieu! Oui? Oui? Oui je suis là. Je suis là Bibi. Donc tu peux tracer quoi? T'as perdu tes poils? Oui j'ai perdu mes poils. Oui. Enfin, je les ai pas perdus en fait, je les ai enlevés de moi-même. C'est la mue de printemps? Non, c'est la bétadine qui m'attend mardi soir. Et mercredi matin. Qui m'ont fait dire que ce serait quand même une bonne idée de les enlever avant. Ah, vous voyez, il faut un certain nombre d'étoiles pour... pouvoir commencer à débloquer certains niveaux quoi. Les commandes tactiles. Hein? Attendez, j'ai pas pigé. Marche pas. Je fais quoi une fois que j'ai le curseur? Ah oui d'accord. Ok c'est, j'ai compris. J'ai du mal à te reconnaître. Bah, j'ai du mal à me reconnaître aussi hein, donc Donc ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Mais c'est bien moi hein. Promis c'est bien moi Toujours aussi con quoi. Ça rend les cheveux super brillants la bétadine. Bah ouais c'est cool mais
Encore faut-il en avoir quoi. Ah j'en ai plus. C'est vrai que je dois avouer que j'ai une préférence pour le Tony Hub Barbie. Non mais moi aussi hein. J'ai aussi une préférence pour le Tony Hub qui a 10 kilos de moins. Et en fait là on se rend vraiment compte là que j'ai pris un max de poids en fait. Donc soit va falloir que je me bouge le cul. soit va falloir que... Merde. Soit va falloir que je relaisse pousser. Ah regardez, je l'ai vu. Regardez ça, il est là. Le petit coquin. Vous et vous. Nul. C'est bien dommage. Pouette-up. Bibi, il y a Melzekiel qui te dit bonjour. Merde. C'était pas une bonne affaire que j'ai fait. Ah oui, d'accord. Non, zut. Ok, bon, je vais recommencer. Ah, c'est chiant, hein, finalement. Ah, ok, c'est mieux. Descends. Non, mais descends, vite. Voilà. C'est l'heure du pyjama bisou. C'est quoi un pyjama bisou? Déjà? Mais c'est déjà l'heure du pyjama bisou? Ah, 18h43. Ah, oui. Effectivement. Peut-être que. Il est déjà store là. Je me doutais absolument pas qu'il était store là. Hein. Ah déjà? Oh là là, oh, laissez-moi le temps quoi. C'est bien, je récupère du temps. C'est parfait. Ah oui d'accord. Hop. Par contre il me reste plus qu'une minute là. Enfin même pas une minute en fait. Parce que les secondes dans Mario c'est pas des secondes. Donc faut que je me grouille. Oh non, je m'ai trompé. J'ai voulu aller trop vite et je l'ai loupé. Balabam. Alors je peux utiliser le pointeur dans d'autres stages. Ah bah là-haut, oui bah oui. Quand on voit je crois que sur les ennemis ça marche. Bah voilà, on peut les... C'est ça ouais.
On peut les bloquer les ennemis en fait. Il me semblait bien qu'il y avait un truc avec les ennemis. Voilà, il y a quand même moyen de refaire les stages assez vite. Quand on s'est planté. Voilà. Voilà, 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 voilà. On apprendra à pas courir là. Allez, va-t'en. Bien. Voilà, j'ai pas le temps. J'ai envie de finir le stage. Ah merde. Je pensais que j'avais le costume de chat mais pas du tout. Concentrer un petit peu pour y arriver. Tout ça c'est fait. On va aller regarder où ça nous mène quand on va dans le tuyau. Tac 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 là, tac 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 là, tac 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 là, non ça marche pas. Tac 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 là, na 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 na. Ouais peut-être. Je sais pas trop. Alors on va où? Ok, juste là. Hop, costume de hache. Je le fais tourner, c'est trop rigolo. Alors, ça c'est fait. Il me semble qu'on pouvait voir... Ah non, mais ça me... Oh là, mais c'est pas ça que je voulais faire. Ah oui, d'accord. Voilà, on peut voir en fait. C'est quoi les autres trucs à côté? Pourquoi il y a des petits points? On peut récupérer d'autres trucs? Alors je sais plus. Il y a peut-être d'autres trucs à récupérer. Dont je me rappelle plus. Let's go.
Ouais. Oh les hamsters. Il y a les hamsters. Alors c'est... Ouais d'accord. Alors c'est ce truc là, ça y est, je me rappelle. Vous avez vu là sur le... Sur le bouton il y avait un M. Et en fait ça veut dire que seul Mario peut... Ça c'est rigolo. Seul Mario peut appuyer dessus. Ce qui veut dire qu'il y a des fois, il y aura des trucs qui sont récupérables que... Par exemple là, le tampon. Si j'avais joué à un autre perso, je pouvais pas le récupérer. J'étais obligé de faire le niveau avec Mario. Hop. Quoi? Ah non, il y en avait un autre. Je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. Là, il y a que ça, ok. Ta-da-dam. Alors, qu'est-ce qu'on va voir là? Merde. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? A priori, rien. Ok. Un truc dans le coin. Hein. Non? Peut-être pas. Maybe not. Non, y'a rien. Il me semblait pourtant, mais comme quoi, ma mémoire me fait défaut. On peut avoir un truc en bas. Oui. Let's aller voir. Yes. Ah, on aura les niveaux aussi, enfin les challenges comme ça où faut récupérer les pièces, les notes. Ouais, c'est pas des pièces, c'est des notes. Des sous. Oh, j'ai envie d'un boboon. On va reparler bouffe. J'ai envie d'un boboon. Pourquoi? Ça m'est arrivé d'un coup là comme ça.
Hop là. Ah, miaou. Et encore un petit tampon. Oui, je peux changer de... Oui, ok. Hop, hop, hop. Je peux changer de personnage. Super. Ah, c'est pas des trucs... C'est pas des stages où faut aller vite, tout ça. La maison mystère. Chacune de ces pièces renferme une étoile verte. Sinon, ramenez le plus possible. C'est parti. Montrez ce que vous savez faire. C'est ça, ouais. C'est des challenges rapides, en fait. Voilà. Donc à chaque fois, faut que j'arrive à choper l'étoile verte en moins de 10 secondes ou un truc dans le genre, quoi. C'est pas à partir du moment où l'étoile en plus est visible, hein. C'est vraiment faut aller la récupérer. Hein. Vous voyez là, hop, je peux aller la récupérer, ça continue de défiler. Évidemment, ça va devenir de plus en plus compliqué. Balabam! Alors, dis-moi tout. Ça va, c'était pas trop compliqué. Ça allait. C'est à mon niveau. Doom Eternal, c'est pas mon niveau. Ces niveaux-là de Mario, c'est ok. C'est ok. Ah les cerises, oh ça y est. La mécanique des cerises, vous allez voir qu'est-ce que ça donne. Donc, vous voyez là j'ai un perso, tout se passe bien, je prends une cerise, et là, je contrôle les deux persos en même temps. Et il va falloir que je le garde jusqu'à la fin, parce que souvent en fait quand il y aura des plateformes, j'ai déjà perdu. Mais quel gros sac, je l'ai déjà perdu. Je dis bien attention, faut les garder. Premier truc que je fais, c'est que je les perds. Ah, je peux cramer les fleurs. Ah c'est bon. Ah non, parce que j'en aurais eu 3 du coup. Ah ta 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 ta. Des vrais soldats, hein. ils sont bien alignés et tout, et puis dès que ça tire... Là vous voyez, il faut que je les mette hop sur le bord comme ça, et du coup... Voilà, bon, et finalement il m'en fallait que 2. Enfin, il m'en faudra peut-être pour 3 pour la fin, mais... On verra bien.
Donc maintenant j'en ai 3. 4. Oh là là. Oh là là, que de Mario. Ah oui, d'accord, j'ai compris. Merde. Mais non. Mais non. Ah, il a fait un wall jump. Je voulais pas. Voilà, et donc là. Pas de wall jump, hein. Voilà. Et là, ça va être l'orgie. Non, zut. On avait pas le frangin marteau là. J'en ai loupé un, j'en ai paumé un. Non 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 non. Combien il m'en faut? 4. Ah, ça peut être bon du coup. Ok. Pouette. Youhou. Petit tampon. Pour une fois, Peach dans ce jeu ne s'est pas fait enlever. Hein. C'est assez rare. Ah ouais, non, non, mais y a tellement de mécaniques dans le jeu. Et il y en a qui sont vraiment très sympas, quoi. Et là, ça va, ils m'ont permis d'avoir, de faire des erreurs. C'était pas mal. Mais il y en a où faut vraiment pas se faire tout. Enfin, faut tous les garder. Il faut que tu ailles à la fin pour avoir l'étoile verte. Donc ça va commencer à devenir un peu plus retors. Fais pipi sur la plante pour la faire pousser. Non, ça ne marche pas. Pouette, 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 pouette. Ta 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 ta. Non, pas du tout. Ça ne marche pas. Bon, va falloir que je trouve comment faire. Là on est bon. Bah ouais. Bah ouais. Bon bah let's go pour le château de Bowser. Ça a tellement des vibes Mario 3 celui-là. Avec les chars et tout. Évidemment. Évidemment un scroller. Hein. Que serait Mario sans ses niveaux scroll, hein? Ah oui, alors ce truc là, ouais, non, hop. Regardez-moi ça. Bon, j'ai pas loupé. J'ai pas loupé la première. On peut charger. On peut rester appuyé pour charger. Ah
Voilà. Ouais. Ah hop, vas-y, reviens. Ok, ça c'est bon. Et genre par exemple là si je m'étais fait toucher, j'aurais pas pu prendre la pièce, j'aurais pas pu avoir le... Oui, non l'étoile verte. J'aurais pas pu l'avoir quoi. Mais on te voit quand même, mec, arrête de faire genre. Voilà. Pas le temps. Hein. Allez, let's go à la fin. Est-ce que je peux faire un... Ouais, je peux faire un long jump. Ok. Et bah si je peux faire un long jump, on va faire un long jump. Tac. Et voilà. Et bah deuxième stage. Enfin, deuxième monde terminé d'ailleurs, même pas deuxième stage, deuxième monde terminé. J'ai eu le tampon, hein. Oui, le tampon, c'est... je suis revenu, oui, j'ai eu le tampon. J'ai eu un doute. Ça va beaucoup plus vite que les étoiles dans, dans Mario 64 et dans Sunshine. Hein. Mais je sais plus combien il y en a. Un paquet, a priori. Ah, le monde de glace, bien évidemment. Que serait Mario sans les scrollers? Que serait Mario sans le monde de glace? Bien évidemment, à un moment, faut que ça fasse chier. C'est évident. Après, c'est vachement joli. Faut avouer... Faut avouer que c'est joli. Tiens. Tiens, prends ça. Vilain bonhomme de neige. J'ai failli sauter à côté. Hein. Alors là, dans Mario 64, c'était sûr que c'était à côté. Hein. Je suis en train de perdre du temps. Là, après, je vais encore gueuler parce que il me reste 2 secondes pour terminer le niveau. Il y avait un truc derrière le sapin, vous l'avez vu ou pas? Regardez ça. Ok, ça marche comme ça. Je me rappelais plus.
Ah, j'ai perdu mais tellement de points de vie d'un coup là. Et bah des bisous Vivi, merci d'être resté. Et bonne soirée à toi également. C'est vrai que il est bientôt l'heure de manger. D'ailleurs moi-même je commence à avoir faim. Alors Mario Tanuki il plane un peu. Et ça c'est Mario patin à glace. Mario patin à glace, il patine à glace. Saviez-vous? Je sais pas comment il me fonce dessus quoi. Ils ont prévu quand même le temps de faire un deuxième tour. Il y a un lapin, il y a un lapinou. Il va falloir attraper le lapinou. Mais attraper le lapinou sur la glace, ça va être compliqué. Ah, vas-y. Ouais. Attendez. Merde. Du coup. Oh, la saleté de lapin. Il s'est barré le petit con. On va le retrouver. Alors tac tac tac. Hop là. Tiens, t'as vu? T'as vu ça petit lapin? Par contre faut que je me bouge. Je me bouge parce que j'ai plus le temps. La 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 la. Mais. Voilà, là, il y avait rien, ok. Ah oui, d'accord. Truc bien casse-gueule. Ah zut. J'ai loupé la dernière. Dites-moi pas que c'est dans un sapin. Ouais, je vais finir le niveau avant de mourir là. Mario Tanuki, c'est cool parce qu'il plane un peu. Et donc on va pouvoir y aller tranquillou. Voilà. 17 ans. par contre, j'ai pas eu la dernière étoile. Elle est où? Elle est où la dernière étoile? Je veux la dernière étoile. Je veux la dernière étoile. Je veux la dernière étoile. Sinon, ma collectionnite... ma collectionnite, elle le prend mal, sinon. C'est bien, il m'explique tout au fur et à mesure. Mais là, je veux mon étoile. Moi. Elle va être où? Ou alors faut buter les. Ouais, faut peut-être buter les derniers là. Là où j'ai chopé le. Là où j'ai chopé. Comment dire? Le tampon. C'est peut-être là où est la dernière. Hop. Ah
Non ? Ah, les petits malins. Mais zut ! Ah mais non ! Allez ! Oh, mais vous me dites pas qu'il faut avoir le petit chaton. Alors, faut faire ça, saut, wall jump, et voilà. Non, ok, ça marche. Ça a marché comme ça. Run, judakate, chest, check, j'ai fini avec full cœur et j'ai roulé sur le jeu. Trop bien. GG easy. Mais tu l'as fini que maintenant ? T'as mis combien de temps, du coup ? Est-ce que tu sais ? Est-ce que tu sais combien de temps t'as mis ? minutes. Il me semble que t'as mis tu m'as dit ça il y a plus longtemps que tu commençais ta run, non? Enfin, j'avouerai que j'ai aucune notion du temps aujourd'hui. D'ailleurs, en parlant de notion du temps, je vais faire une petite pause. Petite pause pipi. Je vais me prendre un petit truc à boire aussi, je vais me boire un truc. Et puis je vais mettre mon manger à chauffer. Donc j'en ai pour 2 minutes à tout taper. Je vous retrouve tout de suite. Thank you.
Ouais. Ah, tu as débloqué la guillotine. Tu as débloqué le l'un des items pas ouf. Je reroll pas mal de runs, starter nul, ouais bah ouais, mais bon. Moi je sais pas, je reroll pas. Enfin jusqu'à un certain point où voilà, je veux vraiment avancer dans le jeu, mais sinon sur ma dernière save là, j'ai pas beaucoup reroll finalement. On reste plus que mon objectif Sheol Cathédrale. Avec Blue Baby, Eve, Azazel, Sanson, Lazarus et Eden. Lilith et Apollyon sont pas débloqués encore. Et The Lost, tu l'as débloqué? Et Re Number 80. Du coup j'ai tout fait là. Je me rappelle déjà plus, ça y est. Allez, on va au truc chiant avant. Après on ira au fantôme. Allez, un truc de shark, merci. Alors, faut pas essayer d'aller trop vite, faut essayer de voir tout ce qu'il y a. Par exemple, voilà. J'ai eu du bol. Hein. Là honnêtement j'ai eu un bol monstre. J'aime bien ce niveau. Ah bah alors. Ça y est, il y a Number 80 qui se met à aimer les jeux de plateforme. Tu fais pas la boîte. The Lost, c'est étoile. Non, ça c'est Blue Baby, ça. Point d'interrogation. Ça c'est Blue Baby. The Lost, c'est un perso différent. Je fais pas la boîte. Moi j'aime bien les jeux de plateforme. Je suis juste nul. Ok. Oui, parce que voilà, on m'a toujours dit que les jeux de plateforme c'était pas ton truc quoi. Et c'est plus. Ouais, c'est pas le fait de pas aimer, oui, c'est le fait de pas forcément avoir l'exécution. Oh non! Oh merde, alors là quand vous avez plus le chat à ce niveau là, c'est ouais, je peux l'avoir, je suis bête. Non, on va venir là. Bon bah voilà, j'ai tout eu. Merde. Merde. Tu préfères 3D World à Odyssey? Moi aussi. Je me rappelle plus trop de Odyssey finalement. C'est con parce que c'est. En fait, c'est quand même l'un des plus récents. Et finalement, je me rappelle pas trop d'Odyssée, quoi. Mais non, ça me donne rien, ça, en fait. Je viens de l'avoir. Thank you.
Après Odyssey, sur les derniers trucs à récupérer, il est pas si évident que ça. Hein. En ligne droite, pour aller le plus vite possible à la fin, c'est ok tiers. Mais pour commencer à avoir tous les challenges... Bah en fait, c'est pareil dans tous les Mario. Hein. Tous les Mario plus ou moins récents. Globalement, t'as la route où... les bananes dans Odyssey, c'est chaud. Je me rappelle plus des bananes. mais globalement, dans tous les Mario, en fait, t'as la ligne droite qui est ok. Et après, quand tu veux commencer à tout le collecter et quand tu veux commencer à faire les niveaux qui sont cachés, là commence à y avoir du challenge. Il a peur. Ah, ça c'est dégueulasse. Ça c'est tellement dégueulasse. Il semblait qu'il y avait un truc. Peut-être je me trompe. Allez, lune. Les lunes, je les appelle des bananes. C'est toi qui es une espèce de banane. Tu le sais, ça? Tu le sais que t'es une grosse banane? Non! 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 Oh la panique! La panique au dernier moment, quoi! Ça faut le savoir, hein, je vous l'avoue. La première fois, vous faites bien avoir, et puis... Puis après, vous comprenez. Allez, forcément. Comment je fais, moi, maintenant? Chut. Me v'là bien embêté, moi. Ah, bon paquet de fric. Y a pas une cloche. Eh bien, je ne sais pas. Non. Ah, c'est le problème des niveaux avec les fantômes dans les Mario. Souvent, faut que t'aies un truc. Ah. T'as vu dans le miroir? Ça c'était Ah là là, c'est nul. C'est tellement évident, ça allait se passer comme ça. Non, mais reviens. Y'a plus rien après, ok. Wallé, on va essayer de pas mourir tout de suite, hein. Ok, non. Ah là là, regardez-les. Juste pour des pièces en plus. Ah, j'allais dire combien vous pariez que c'est pas des... Non, tant pis.
J'allais vous dire combien vous pariez que ce n'est point des une vie. Mais évidemment que ça n'en était pas une. Ça sent la bouffe. Ça sent la bouffe, ça sent trop bon. Donc ouais, pendant la bouffe là, je mettrai en pause. Je vais pas arrêter le stream, je mettrai en pause le stream. Et puis je mangerai mon truc vite fait. Et puis on se retrouvera après. C'est évident. Ah là là, les petits malins. Non, bah je l'ai foiré. Je l'avais loupé cette étoile, ouais bah ouais non mais faut le savoir que les canapés tu peux monter dessus et t'attends un petit peu et ils décollent quoi. Une fois que tu le sais, voilà quoi mais... Donc là va falloir que je revienne avec un costume de satin. Va falloir que je trouve un costume de chaton quelque part. Et que je l'utilise. Ah, un petit Captain Toad. Ça vous fait plaisir un petit Captain Toad? Ouais. Si vous aimez Captain Toad, applaudissez. Je m'en doutais, je m'en doutais. Alors, on le laisse passer. Tut, 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 tut. Petit champi ? Petit champi ? Un petit champix. Trop bien. Incitation à la consommation de champignons, mais tellement, évidemment. Faudrait que je me le fasse Captain Toad aussi. Alors j'ai débloqué Guillotine, débloqué de nouveaux boss, un nouveau boss vers, dans The Womb, voilà pour aujourd'hui. C'est vachement bien. Et j'ai Captain Toad aussi sur Wii U, donc faudrait que je le fasse. Vu que je l'ai jamais fait encore. Ça peut être une bonne idée de le faire. C'est vraiment dans un jeu cool, ouais. Est-ce que j'ai le temps? Est-ce que j'ai le temps? Ah mais c'est vrai qu'on peut mettre des petits coups de boost. Regardez, je mets des coups de boost. Ah, je sais plus si je sais plus si la mablette est obligatoire pour jouer à Captain Toad sur Wii U. J'espère pas. Après il y a un je sais plus s'il y a un remaster sur Switch. Il me semble qu'il y a un remaster sur Switch. Hein. Bon, il doit coûter une couille. Il doit coûter Roche.
Donc je verrai si ça marche sur Wii U. Sans la mablette. Quoique la mablette elle est à côté. Hein, mais. Faudrait que je vérifie qu'elle se décharge pas en fait d'ailleurs. Parce que... À un moment je vais me retrouver à pas pouvoir jouer au jeu Wii U parce que la mablette veut pas démarrer quoi. Même jeu mais avec des niveaux inspirés d'Odyssey au lieu de 3D World. Ah. Enfin, est-ce qu'il y a les... Ouais, alors, attends, est-ce qu'il y a les niveaux de 3D World plus d'autres inspirés d'Odyssey? Ou c'est les graphismes qui changent et c'est ceux d'Odyssey quoi. Un niveau, faut aller vite. Ah, voilà, quand je disais qu'il y avait des trucs, des boutons et que c'était pas que Mario, là faudra que je revienne avec la princesse. Parce que la princesse, elle a un, y a un bouton. La version Wii U et Switch ont des niveaux différents, d'accord. Merci pour les infos. Ah mais j'ai loupé la première étoile verte. Bon bah genre, de toute façon, faut refaire avec le niveau avec la princesse, donc je vais revenir avec la princesse. Y'a un bug ou Est-ce qu'il y a un bug? Allez. Est-ce qu'il y avait un bug? Attends, j'ai fini mon 7-up en 2 secondes moi. Ouais, y'a des glitches connus. Ouais, parce que... C'était assez étrange, dirons-nous. Hop. Oh, ces petits bruitages, ils sont quand même cool. Hein. Alors. Moi, je veux la princesse. Ah bah oui, bah la deuxième... Oui, ça doit être ça. Ça doit être... Enfin, la première. La première étoile, ça doit être ça en fait. Donc la princesse qui a fait, c'est qu'elle plane. La princesse, elle est complètement défoncée et elle plane à mort. Ah non, c'est le tampon. Ah merde. Et du coup, c'est quoi? C'est où? C'est pourquoi? C'est comment? Hein? Ça c'est pour plus de... Je crois que j'ai voulu aller trop vite. Ah d'accord. Les salauds. Les petits salauds. Oh, on peut aller tellement vite avec elle. C'est... C'est honteux, hein. Ah merde! Ah merde, là, mais... J'ai réussi à ne pas voir le haut du poteau avec Peach. Ce qui est virtuellement impossible, vu qu'il y a tellement un plan. J'ai réussi. Ne me félicitez pas, vraiment. Vraiment, non mais voilà. Ici, vous savez, vous avez le droit au beau jeu. Et bah le voilà le beau jeu quoi. Non mais quel naze. Quel gros naze. Ah, ça c'est mauvais.
Ah bah non. Ah bah non, bah. Mais non, mais... À un moment, arrête d'être con, quoi. Oh, la lune, elle est énorme ce soir. Qu'est-ce qu'il y a, mon chat? Il y a Rabia qui me regarde depuis tout à l'heure. Fun fact, la version Switch est plus rapide. Ah bah, je suis étonné, dis donc. De 3D, enfin 3D World aussi. Hein. Je sais pas si tu parles toujours de... Oui, voilà. Tellement plus rapide que le perso le plus rapide taux sur la version Wii U est plus lent que le perso le plus lent rapide sur la Switch. Ouais, au 3D World. Ouais, non, ils ont augmenté la vitesse. Ça, j'étais au courant. Mais oui, mais c'est bien que tu le dises d'ailleurs. Pour le chat, pour les autres personnes. Mais effectivement, ça ressemble... Ça ressemble plus à un Mario, ça a plus la dynamique d'un Mario un petit peu speed quoi, c'est bien. C'est bien les Mario quand c'est nerveux. Qu'est-ce qu'il y a mon chat? Si t'arrives. Regardez, il y a des crabes, trop mignons. Trop mignons les petits crabes. Ils ont peur. Allez. Ah là là, les Goombas avec leur... avec leur bouée. C'est rigolo. Bah, ils te reconnaissent plus non plus. C'est vrai que... C'est vrai qu'il y a peut-être un truc. Il y a peut-être un truc où elle a plus de mal à me reconnaître. Effectivement. Bien vu. Bien vu, Blacky. Non, parce qu'elle a mangé, donc... D'ailleurs, en parlant de ça, elle est partie bouffer. Quelque part là. Bon, c'était peut-être pas là. Non, mais on vous met une belle flèche pour vous dire faut aller en bas, hein. Évidemment. C'est pour que vous... c'est parce qu'il faut aller en haut. C'est évident. Ah! Excellent. Voilà.
Voilà. Alors. Dans l'un des trucs, faut y... je crois qu'il faut aller dans l'un des trucs. Voilà. Il me semblait bien. Alors pourquoi il y a le logo des X-Men sur le tuyau, je ne sais pas. Mais hein. Bon, c'est comme ça. Est-ce que... Ah non, il y avait le... Merde, j'ai loupé. Je l'ai loupé. Dommage, dommage. Bon, bah on y retourne. On y retourne du coup. Ah, je pourrais essayer d'avoir le costume de chat. Non, attends, c'est mort. On va essayer de mieux faire notre dernier saut. Voilà, surtout ça en fait. Et Rabia gratte à la porte. Je sais pas ce qu'elle est en train de me faire, elle est en train de me faire aborder le monstre là. Sans le petit chat qui fait des conneries. Ah mais d'accord. Ah. Ah bah ouais mais non, ça m'arrange pas ça. Ah merde. Il n'y a pas le triple jump ici. Merde. Zut. Ah ça y est, je sais ce qu'il y a. Dommage. Blackie, t'es là ou pas? Tu te rappelles du colis que tu m'as envoyé? Enfin, j'imagine que tu vas pas me dire non parce que ça serait un peu con. Mais tu te rappelles de comment tu l'as rembourré ou pas? Let's go.
Voilà. Bon bah voilà ce que Rabia est en train de faire. Elle est dans le carton, en train de tout dépouiller. Elle est dedans. Oui, ouais, elle s'est carrément mise dedans. C'est plus simple hein, pour tout dépouiller. Écoute, pourquoi s'emmerder, hein? Regardez si elle a pas a priori là, ouais, donc ce soir elle aime bien. Elle se fait plaisir. Vas-y l'autre, on va lui tabasser, on va le tabasser là-bas là. Merde. Ouais, il me semblait bien qu'il y en avait un dans le coin là aussi. Hein. Là mon chat. T'es bien amusé? Est-ce que je peux courir et faire un long jump derrière? Je peux juste sauter en fait. Ça marche aussi. Bam. Ça commence à sentir la bouffe. Je vais juste aller vérifier où ça en est. Ok, bon bah la bouffe c'est ok, donc je vais vous abandonner là, je vais faire une pause. YouTube, on s'arrête ici pour cette session, et puis on vous reprend très prochainement. Des bisous YouTube.